venir nous chanter dans le chant d'espérance 24, dans le chant d'espérance créole. Amen, à la gloire de Dieu. Amen. Jésus, c'est tout ce que pour moi. Avec tout le monde, c'est ça la vie dit, chercher de la paix.
et lui c'est la joie. Seigneur a dit pour nous réjouir, quel que soit problème, quelle que soit difficulté, quel que soit sa gagnant, c'est réjouir dans Seigneur. Tout bagage ça, trois bagages ça, c'est trois bagages qui a aidé nous dans la route pour nous capables de sauver. Dans la route, salut, nous besoin la paix, la joie qui appelle nous à la vie. Réjouir dans Seigneur. Leur réjouir dans Seigneur, l'empêcher que vous plaignez. Plaignez, c'est un bagage que l'Éternel même dit lui raille. Et lui empêcher que vous ayez tout qui rentre la caille. Donc, lorsque la joie, il a occupé le monde qui a dit que vous êtes content parce que vous m'en foubez. Dégagez, vous cherchez un sac qu'on foubez, si c'est pour ça, parce que l'a aidé. Donc, lui, c'est la vie. La vie, non seulement on a bien la vie sous ça, une vie heureuse, et on a bien notre vie encore. Il y a tant de la vie éternelle. Donc, son vie continue. Maintenant, nous disons bon Dieu merci parce que lui fait nous grâce. Grâce, je dis son bagage que nous jouons sans nous pas mériter, nous pas travailler pour lui. Regardez-moi à parler pour mon Dieu. Moi, je dis bon Dieu merci parce que lui fait nous grâce à nous capables là maintenant. Maintenant, si vous avez bon 2 jours dans moi, moi, je dis 2 jours tout de suite. Mais moi, je dis bon Dieu merci. Non, il y a trois jeudi. Pour ceux qui ne connaissent pas que nous avons une émission dans Radio Puissance, il y a 3 jeudis de cela, le Seigneur a mis un sujet dans l'esprit nous qui dans la bouche nous pour un paquet de temps. Donc, c'est garder, nous avons parlé de sujet Sahara. Le sujet Sahara, plus précisément, il y a 3 jeudis de cela. L'émission ça fait chaque jeudi à 9h pour 10h. Donc, nous avons un sujet devant nous là. C'est lui-même que nous avons quémé parce que le département de bon Dieu, qui ça nous a dit? Nous connaissons dimanche, mais nous pas là. Le département de bon Dieu, le département c'est le même qui a prêché. Bon Dieu, t'a dit, nous avons un peu là. Même si avec Moïse, le bâton de Guéname là, utilisé. Ce bâton de Guéname là, pour 3 jeudis, c'est lui-même là qui utilise. Bâton s'en est alors Moïse lui-même, bâton par là, a ouvert la mer rouge pour lui, pour aider la peuple là. Mais bâton ça, moi, pour un calotte, jeudi qui se passe avec bâton ça, vraiment de comment faire pour un calotte là. Des fois, nous sommes en route, nous ne savons pas comment nous faire là. Excusez-moi. Nous ne connaissons pas qui côté vous la mener nous. Nous seulement nous sommes route. Des fois, vous avez dit nous parler de nos sujets. Nous ne connaissons pas ce sujet ça quand on est fait pour nous. Mais moi, j'ai navigué dans le sujet pendant 2 jeudis. C'est vrai, vous comprenez quelque part dans le sujet. Hein? Mais jeudi qui se passe là. Dernier jeudi qui se passe là, nous déposons une belle calotte à ce sujet. Hein? Nous avons été liés sur l'air pendant que nous avons conduit dans la où c'est nous qui a conduit. Mais au bon côté chauffeur, on a tout de volonté qu'a fait. Mais deux fois nous montons la machine dans tout et puis nous prenons dormi. Mais nous qui a conduit, a conduit. Deux fois qu'on a un petit bon. Et puis, nous avons un petit peu fâché sur mon cap conduit. Mais nous avons oublié si bon, là, nous avons pour prendre volant tout. Et là, nous prenons volant, comment ça va être pour nous. Excusez-moi. Donc, sujet ça que nous avons parlé sur lui jeudi. Il y a un monde que ont été un intervenant dans le jour jeudi qui s'est passé. Il était bon toute sa mérité. Il n'a pas qu'on la vie, il n'a pas qu'on la peine. Mais il était bon toute sa mérité dans le sujet. Donc, le sujet, ça, on va continuer à parler avec nous. Par contre, si j'ai quelques frères et quelques soeurs qui ont monté le même bateau avec moi, par contre, si j'ai quelques frères et quelques soeurs qui ont même gens avec Jonas, la route là, ensemble, la route le même bateau, qui sont route là, pendant que. Seigneur a bien un appel sur la vie, moi.
Et puis moi, un petit genre gêné pour parler avec Marie. Moi, un petit genre peur que lui, donc pour ta faire qu'elle casser, soit peur que vous gagnez. Et c'est le premier monde pour parler avec lui de quel que soit ça, vous demandez pour vous faire. Mais un petit genre peur. Pendant un petit genre peur, oublier si vous êtes en route de désobéissance, vous prenez un bateau, même déjà avec Jonas. Je ne peux pas comprendre ça, même trouver matin. Je parle avec vous sur la vie, Pam. Et je vais laisser des têtes coupées avec Jonas. Je vais aider à prier. Et je vais continuer l'autre monde que nous avons déjà capoté même bateau avec. Je vais connaître des gens qui sont dans la machine. Donc des fois, nous avons conduit. Et puis Steven, à la minute que nous avons la machine, nous avons dormi. Moi, je dis Steve, beaucoup de la machine dans dormi. Comment faire ouais, nous avons fait pour leur conduire. Mais pour nous, c'est le chauffeur qui nous dit, on ne sait pas comment faire, parce que toujours, on dort dans la machine. Donc, c'est pour expliquer que nous-mêmes qui sommes là, qui dans l'église, là, des fois, nous dans le bateau, mais les gens qui ont volant dans le cap conduire, lui, pour lui, pour un moment, il faut prendre une décision. Lui, même quand nous menons, nous, il faut prendre une décision avec le volant qui nous mène là. Il faut le faire à droite ou bien à gauche. Et sous la vie, Pam, nous avons arrivé au moment pour prendre une décision. C'est vraiment dit, mon Dieu, oui, mais une décision ensemble est mal pour prendre. Donc, c'est une raison qui fait du matin. Nous allons aller prier pour ne pas rentrer dans la gorge poisson. Hein. Et on va excuser si nous faisons un petit parler en avant. Nous connaissons, nous achetons un livre. Nous achetons un livre là, tout préface là. Donc, son petit préface là-bas, nous. On va excuser si nous parlons sur le matin. Hein. Nous allons parler de vent avec tempête. Nous ne pas dire trop sur lui, mais nous avons dit courir pour nous capables de répondre à l'heure que l'Église a gagné pour la guerre. Nous avons parlé de vent, vent avec tempête qui paraît sous la vie. Nous sommes pas contre côté sorti et côté frère. Et nous venons pour nous expliquer avec vous tous qui attitude que nous devons gagner le guerre avec tempête qui courit par sur la vie et qui nous parle jusqu'à ce que nous avons fait. Ils ont dit comme ça que le vent, c'est un courant d'air qui est rapide, mais lui occasionné par un changement qui fait dans l'espace là, dans la pesanteur là. Nous ne pouvons pas arrêter trop là dans l'île, nous avons passé là-dedans parce que si vous t'avez raconté au savant, il connaît que vous connaissez plus passé moins. Et si vous ouvrez computer ou avez une définition, si vous ouvrez cell phone ou avez une définition, donc nous ne pouvons pas vraiment chita sous définition, yo, vraiment, mais nous juste faut aller là-dedans pour vous-même. Souvent avec tempête là, n'importe quoi, c'est explication. Et puis, ils ont parlé de coup de vent violent, ils ont parlé tout, ils ont dit comme ça que vent, il y a des mots qui abaillent, une explication souvent, ils disent sont cette air. Donc, ils ont parlé, nous avons parlé tout, dans le livre de vent, la mer, ils ont dit, on brise maritime. Donc, ils ont parlé de ça. Et ils ont dit tout, vent, quelquefois nous avons une poche qui nous fait nous, ils ont dit que c'est un air. Donc, air, ça a un gros problème. Nous connaissons, nous avons dit, nous avons dit, et puis là, nous avons dit presque que c'est déjà pas mangé, tellement mal, ça fait mal. Nous avons un air qui fait une poche, qui peut empêcher le chita, qui peut empêcher le marché, qui peut empêcher faire tout. Qualité bagaille, si nous arrivons à partir de ça, la définition de vent. Donc, nous, vent, c'est un air, puis tu nous as dit, c'est un air. Nous pas moins vent, nous pas moins vent, mais nous, ouais, ça lui a fait, nous, ouais, dégâts lui a fait. Nous pas moins, mais nous avons moins dégâts. Il y a des dégâts qui fait, nous avons moins. Donc, nous sommes capables de souffler un ballon, nous avons soufflé un ballon, nous mettons air là-dedans. Donc, c'est toujours fort, toujours.
gen de fwa nou gen kek bay kon soti, gen moun ki kon pare men, son van. E gen moun ki kon di, bon mwen van pou man lagonav. Ba kon ni ki sa yon fè lagonav, men nou kon wè opi la, opi fwa isye kon ni ki sa, oh, ki vant men nou la piti. Kado, bon, yo kon di, bon bon piti pou man lagonav. Donk, e se li pa definisyon sa yo pa nan Laos men se kom haïtien nou kon utilize e parol sa langaj sa pou nou pale de vent. E si nou ta pale de tempèt, nou di tempèt la se un van violan ki menen li. E li tempèt la se un perturbasyon nan atmosfèr la. Sa vle di, kon gen de gwo tempèt, men kon van ki nan mi tan tempèt la. Sa vle di, se van tre nan tempèt li fè bwa, li fè gwo bagay kon fè gwo dega, donk van nan mi tan, kapap nan mi tan tempèt la, vle di, tempèt la se yon agitasyon, tempèt la se yon trouble, yon gwo trouble. Donk nou pa telman pran tout definisyon yo, ta pran pil tan, men nou konen, e an pil moun ki la konen pase par tempèt, de tempèt ki kon pase Haiti, de siklon, ki kon vreman terib, ki kon krasè, ki kon brise sou mout yo, ki kon fè an pil dega. Nou konen dernyèman te gen gwo tempèt ki te fèt nan Miami, e la kay nou tou toujou gen gwo tempèt ki fèt, men gwo isi an, toujou gen gwo tempèt, bakwe gen moun ki reme tempèt. Men, an pil fwa nan mi tan tempèt yo, nou ou di mwen pandan gen van nou pa pran prekosyon avèk van yo. E pou nou sonje ke van kapab menen gwo dega, kapab menen gwo tanpèt. Donk si nou pa pran soin de van, nou van kapab fè gwo dega nan tanpèt la. Donk maten an, nou ap ouvri Bib nou nan liv Jonas la, chapit 1er. Jonas chapit 1er, nou sonje ke l'Éternel te voye Jonas à Ninive et lui-même il était choisi pour lui aller à Tarsis. Tout qu'on a connaît histoire ça. Donc monsieur était décidé pour lui aller à Tarsis. Jonas dans le livre Jonas ça pas vraiment raconté pour quelle raison l'Éternel te voye Jonas nan. Alors et pas que pas défini pour qui ça non. Li pa di kon sa ke pou ki sa Jonas pa dle ale atansif, a Ninive. Men nou konen pep Ninivien nan liv Naoum nan, nou ne pa ou liv anpil moun remen li, men liv sa nan liv sa li explike ke pep sa se yon pep ki te yon pey kote ki te gen anpil krim, anpil ki bagay anpil violans la dan li. Donk l'Eternel te voye pale pep sa pou te rap ki te mechante, et pour être capable de suivre bon Dieu, pour détourner de la voie méchante, et puis pour être capable de suivre bon Dieu. Mais Jonas lui-même trouvait que même genre en pile dans nous-mêmes, tu es capable de faire, bon Dieu est capable de faire un message dans le bail, nous dire, oh, mon sac criminel, c'est ça qui fait la paix, c'est pour le payer, ça la fait, papa. Donc nous étant par punition, nous étant par condamnation à un monde que bon Dieu lui-même gagne un changement, un bagage, bon Dieu qu'on plan sur la ville. Mais en pile fois nous on va mettre des condamnations sur la vie monde ça un petit peu nous capable dire c'est ça Jonas qui fait au lieu pour aller côté mon Dieu te voyer là il était jugé que OK peuple ça méchant son peuple qui méchant tu es méchant c'est vrai là-dedans mais bagage ça pas fin garder nous le bon Dieu voyer nous à faire un bagage c'est lui pour nous ta fait nous est que pendant Jonas lui-même détourné de la voie de Dieu et puis y aller il prend bateau lui pour aller dans route le côté lui-même livré pour lui faire pour le cacher loin de la face de Dieu. Et pourtant qui ça Jonas, c'est Jonas son serviteur, Jonas son monde que bon Dieu choisit pour aller faire travail. Donc maintenant il dit comme ça que Bible a parlé, il dit comme ça arrivé dans route, le fils prend bateau lui carrément pour aller à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Là nous dans verset 3, il dit il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux
Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Donc, pendant que yon fin embarqué, l'Éternel même fait lever au vent. L'Éternel même fait lever au vent et puis l'y lever en grande tempête. Donc, avant de commencer, on a dit que quelques fois, il y a des vents qui paraissent. Il y a des gens qui vont paraître dans la vie où ils paraissent parce que ou déjà non problème et puis bon petit vent léger qui vont paraître petit vent ça dit pour ton soulagement pour par contre si quelqu'un qu'on a marché en pile dans le soleil et puis pendant il y a un bon petit pied bois ou bien il y a un bon caille il y a des fois un pile caille qui fait qui pas fait avec toile qui fait avec paille et puis on rentre en bas caille ça pour qui qu'on allait en dehors moi même c'est mon en province. Donc on y a là, on y va en bas Galia, on y va en bas Kéboa, ça tout un petit vent qui qu'on a bain, petit vent vraiment doux, et puis qu'on a envie de rester là, bien que pour la caille on y va non, mais qu'on a envie de rester là. Donc il y a un petit vent qui paraît dans la vie, nous, il faut ton fraîcheur, il faut ton soulagement. Mais je dis, on ne va pas parler de vent ça, non, on va parler de l'autre vent qui est capable de qui plus pique au secours. Donc des fois le vent paraît, nous même en tant que chrétiens, nous avons un devoir par nous, le vent paraît, les tempêtes la vie, nous avons une façon pour nous gérer les bagailles, nous ne pouvons pas gérer nous même avec le monde. Nous avons une façon pour nous prendre les bagailles. Donc, maintenant, le vent commence à vanter, tempête la fête, tempête la soulever. Jonas, qui est un serviteur de Dieu et qui connaît, il connaît ce qui a passé, il connaît what's going on, il met un manteau qui met les moins sous lui. Pendant que Marinéo a pralé bagage mette dehors parce que donc on a dit Marinéo bon intuition dire on va ça pas venir n'importe qui genre tempête ça qui vient hein quelques fois dans la vie nous nous connait un monde qui pas même converti comprendre les affaires de Dieu mieux que nous-mêmes yo montre une attitude qui plus ou moins qui comprendre que ils ont ça ça passé mais nous-mêmes nous pour manteau qui mêlé donc on a dit nous pas comprendre rien dans inconscience nous mourir. N'oublier qui ça nous est, n'oublier si nous sommes représentants de Dieu, n'oublier qui ça pour nous a fait, mais nous quitter le monde, juger bagaille au mieux que nous-mêmes. Ma témoigne, nous t'a parlé avec nous en co-worker, nous avons posé une question sur même histoire, ça m'a parlé. Hein? Et puis, nous avons besoin de poser une question sur un bagaille que pas qu'on aime, nous besoin qu'on aime. Et puis, moi, je dis, ah, alors, on va faire trop de détails. Et puis, moi, je dis, bon Dieu, qu'on appelle sur la vie, mais il est là, pas être aussi gentil, difficile. Il dit, au contact passé, si c'est appel, bon Dieu, qui est sur la vie, vous ne pouvez pas faire l'autre jour, non? Il n'est pas converti. That was a slap in my face. And I was just have to say thank you, sister. Il n'est pas converti. But I just have to say thank you. But bon Dieu, parler non. Dans le monde qui n'est pas converti, on a pile fois pour parler avec nous. Et tandis que nous avons la parole déjà, nous connaissons bien ce que ça peut nous faire. Mais nous mettons un manteau qui mêle sous nous, qui mêle, qui garde ça. Mais n'oubliez si pendant pile fois dans la tempête, nous avons non seulement des choses pas nous pour nous faire, et des fois même, c'est nous-mêmes qui attirons la tempête là sous nous. Et le noir qui est tempête là sous nous, il est capable de fatal pour les gens qui sont bons autour là. Il est fatal pour les frères là, les soeurs là. Si vous mariez, il est fatal pour les maris ou pour les petits. Il est fatal pour les gens qui sont bons autour dans le quartier côté. Mais n'oubliez pas, pile fois, si nous avons une redevance envers le quartier côté nourrité, envers la zone côté nourrité. Parce que si nous sommes représentants de Dieu, cela veut dire que nous avons pour le côté la paix, pour le côté bon résultat. Mais des fois, si nous vivons dans la désobéissance, pas bien bon résultat qui n'y a pas à cause de nous-mêmes. Donc, Mathéen, fait ma semaine, pas fait même genre avec moi. Beaucoup de tempêtes qui levent dans Kingsford, mais d'ailleurs, mes précautions à partir de avant hier, pour moi, prendre cas de ça, pour ça, pour ne pas arriver. Pour que les gars ne pas arriver dans un lac à moi à cause de moi. Le marinier, regardez, il y a une tempête, il y a peur. Et puis,
yo chak ap rele bon Dieu pa yo. Ce qui t'a supposé attitude pa nou. Yo chak ap rele Dieu pa yo, a kwa ke Dieu pa yo pa ka fè rien pou yo, Dieu pa yo pa ka di rien nan bagay la, mais yo gen yo konnen pou yo rele Dieu pa yo les circonstances qui vont venir, les bon bagay qui a passé mal. Mais Jonas, la Bible dit Jonas passé li descend en bas nan fond. Nan fond la mer. Premièrement, tout le monde a mis les mains, a voué faire a voué bagaille. Tout le monde a mis les mains, a retiré bagaille qui souffre. Nous connaissons que des fois, nous connaissons que nous disons que les gens qui ont pris soin malade en la caille, sous tête marche pas supposé dans toute marche escalier, dans sol, dans aller côté que les gens qui ont marché, pas supposé mettre bagaille, pas supposé qu'il y ait rien. Place ça, vous supposez vide. Côté ça, vous supposez pas qu'il y ait rien sous route. Juste pour pas empêcher juste pour capable empêcher mon trip and fall parce que vous même vous capable tomber si vous pas essayer ton bagaille ou capable trip et pour tomber jusqu'en bas dans marche escalier donc leur gain en pile bagaille qui entouré donc il qu'on empêcher que nous marcher dans voie normale donc matin et ça navire yo t'a fait mon qui marinier yo pardon t'a fait yo apese retirer tout bagay ki sou route yo ki ka encombré route yo ki ka empêché yo marcher y a retirer tout bagay a déblayer y a retirer bagay Jonas ta supposé mettre main nan travail sa ka fait là Jonas pa mettre main et ce que en pile nan nou même fait les gon problèmes les gon difficultés nou kraze bras nou et puis nou dit ki mené le nou chaque dans l'église a nou chita et puis gon bagay gon activité et puis nou pa vle mettre main nou dit ki mené. I don't care. That's what we say, basically. We say, I don't care. Le yon retire bagay ki sou route yo, le yon retire tout travay, tout moun ap mete men, et puis nous même nous pa mete men. Jonas, non seulement pa mete men, l'autre attitude négative que Jonas te gen, li descend. C'est-à-dire, li pa occupé de tempête là, de travail moun yon a fait, et puis moun yon ap rele bon Dieu pa yo, li pa même rele Dieu pa là, pour ta mande pardon, mais li descend en bas navire là. Et puis, non seulement descend, pendant tout le temps que Jonas te gagne pour te repentir. Ils font le premier bagage, ils descendent. Leur livre en bas, ils rangent cabane. Ça, c'est notre temps quoi, pour ranger cabane. Tout pendant qu'on va ranger cabane, son temps pour que Dieu capable parler à conscience. Ils rangent cabane. Et non seulement la ranger cabane, leur finir coucher, ça veut dire disposer. Li prier moun yo ki nan vent ki nan tempête ki bateau a chavir à droite à gauche bateau a balote pone leur sous nan mer ba kon combien moun na kon monter la mer et puis bateau a droite et à droite et à gauche son gros tempête son vent violent qui gagne donc à droite et à gauche bateau a yé mais Jonas li même li range cabane li descend en bas range cabane et puis li disposer li coucher non seulement coucher qu'on y a li a dormi comment pour faire dormir le gros tempête excuse me. Dis-moi qu'on y a comment pour mon faire même la petite et pas la caillouille. Si vous caillouille, même si vous caillouille au monde, si vous vous trompez, vous t'as dit, ok, bon, allez, bien tout. Vous t'as dit, mon yo, can I help you? How can I help? Est-ce que vous avez mis tes mains tout? Qui ça a fait là que vous avez mis tes mains tout? Qui ça a fait? Comment vous caillouille? Vous n'avez pas fait de vos bagages, mais vous avez fait petit. Le peu que lié que nous capable faire, l'a aidé pour soulager bateau, pour vendre violence, ça, t'es capable d'arrêter. Maintenant, il dormit. Ce n'est pas Jonas qui paraît tête, lui qui peut être y aller. C'est jeune Jonas a dormi. Nous connaissons pendant que chef bateau, pendant qu'il a fait tout bagaille, tout bagaille, il a galéré un bon monde qui a faufilé, cherché où descendre. Il paraît qu'il dit Jonas, comment faire dormir? Ça a fait là. Ce n'était pas Jonas, mais le poste de Jonas. Là encore, Jonas n'a pas fait rien. Jonas a dormi. Je vais dire Jonas, ça va faire là, ça va régler là. Seigneur, ça attend. Jonas commence à confesser. Seigneur, ça commence à parler. Ou Jonas a déclaré. Monsieur a dit Jonas, lève-toi, invoque ton Dieu. Est-ce que c'est moi qui va convertir à coup de dire que le bon Dieu par moi? Et pas moun qui va convertir à peut-être nous relever mon Dieu par nous en leur circonstance ou situation qui drôle. Et pas
bagay yo pou ta di nou rele bon Dieu nan. Bon nou konnen valeur bon Dieu nou an. Gen de fois le a di danser nou pa danser, ça prouve que bon Dieu pa invite moun danser devant. Et tandis que roi David dansait devant l'Éternel, li montre nou ça. La Bible montre nou fò nou danser devant l'Éternel. Ou danser devant yon moun ki remen. Amen. Ou danser devant yon moun ki remen. Gen de pas ou ka fè devant moun ki remen, ou mande lò fini ka mande comment ta fè fè pa sa ou. Ki jante fè ou kote te jwenn nou. Mais lè nou danser devant bon Dieu, nou prouve bon Dieu que nou remen. Mais lò rete bras croisés, nou pa ka nou un petit peu sophistiqué, nou pa ka danser devant bon Dieu, ça veut dire bon Dieu pa wèf pour nous danser devant. Donc matin le pilote la descend, il approché de Jonas, et petit Jonas, levez-nous, invoquez mon Dieu là, peut-être la pensée à nous-mêmes. Mais on a péri. Donc c'est là ça, Jonas, pour nous sauter un peu dans l'histoire là. Jonas, qu'on y a là, qui a répondu, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Bon, c'est là ça, mon Dieu. Il y a des activités où notre tête où on fait mon peur. Parce que si bon Dieu pas nous, hein, bon Dieu qui est capable là, bon Dieu qui fait ciel là, terre, c'est lui qui m'a servi. Donc si ou là, il y a des bagages qui ne peuvent pas arriver. Donc là, il arrive, il y a un monde qui ne connaît pas bon Dieu, il dit comment faire ou qu'on bon Dieu pour ces bagages arriver. Parce que il ne connaît pas si on a désobéissance, mais ou même on connaît. Donc si vous connaissez dans désobéissance, il y a des activités que vous êtes capable de faire. Donc, matin, ce n'est pas un monde qui peut joindre nous. C'est nous pour lever droit nous. Pour nous avoir envie de participer dans l'activité qui est dans l'église. Des fois, le vent paraît, et puis nous pas occupé de ça qu'a fait d'avoir aucune activité du tout. Ça veut dire nous abdormir. Ça veut dire nous coucher, nous abdormir. Nous en sommeiller. Nous pas été dans la prière, nous abdormir. Le nous avons fait notre activité, nous abdormir. Des fois nous quand dit comme ça que nous pas dormir, m'a marcher, m'a monter descendre, m'a travail, m'a non. Ou abdormir. Là nous pas mettre main dans travail bon Dieu, ou abdormir. Ou abdormir. Ou pas connaître ou abdormir. Parce que l'ennemi hein, qui fait conscience ou aléa, ou pas ouais, si ou abdormi, mais ou abdormi. Donc, non seulement nous pas devons dormir, nous devons rêver, bon Dieu, pas nous, papa nous qui est dans le ciel là. Donc, nous avons quatre bagailles rapides que nous pas devons faire, ou du moins que nous pas devons faire. Le gain au vent avec une tempête. N'a tout ça rapide. Premièrement, c'est vous capable d'identifier vent qui va autour là. C'est vous capable de prier ou demander mon Dieu qui vent ça. Est-ce que vent ça son vent qui a soufflé pour bon la paix, pour calmer au bagage, ou bien est-ce que vent ça a mené une tempête derrière? Parce que si nous pas gain aucune attitude dans mitan vent, l'heure vient tourner tempête, la vie plus difficile pour vous, laisse la vie dans plus de difficulté pour capable prier. Donc, maintenant, il faut capable identifier vent pour être qui côté le sortir, qui côté le praler, qui ça la vie fait dans la vie, ouais. Qui ça la porter. Deuxièmement, il faut être capable de faire self-cleaning. Donc, nous, c'est ça, monsieur, t'as fait. Il y a débarrassé, il y a retiré tout ça qui est sur vous, qui t'a empêché, parce que dans pile fois, en pile bagage qui est capable de bloquer la communication avec mon Dieu. En pile bagage qui est capable de bloquer la relation avec mon Dieu. Mais maintenant, nous avons pour devoir pour nous faire self-cleaning. Gardez en dedans. Qui ça me fait? What did I do wrong? Est-ce que ce n'est pas moi qui porte en tempête ça? Ou qui a gardé ça? Ou qui a fait? La Bible, là, comme la parole de Dieu, est capable d'aider. Ils sont boussoles, ils sont miroirs. Là, vous capable d'aider pour connaître tout ça, où tu as fait ça. Ça ou qui attitude vous devez gagner dans mettant problème avec difficulté. Troisième bagage que vous devez faire, c'est pour reconnaître que vous coupable. Et c'est pour reconnaître que nous concernés. Non seulement nous capables coupable, coupable la séoule, ou capable coupable et coupable rien, mais il faut montrer que vous concernés.
Montrer que concerné, vous dire que vous mettez main dans le travail là. Ou bien vous demandez qui ça vous a fait. What can I do? What can I do to help? Qui ça vous a fait dans la situation? Est-ce que vous avez lavé ou bagay? Est-ce que vous avez changé ou bagay? Est-ce que vous avez aidé dans quel que soit bagay, dans quel que soit département? Parce que l'église a bien en pile département qui est capable là pour le fonctionnement de l'église. Mais en pile, puisque pas gagné en pile bras, donc pas gagné en pile ministère. Donc ministère est là. Bon Dieu, bail ministère à monde qui veut, à monde qui besoin. Si vous demandez bon Dieu qui ça vous fait, qui ça vous fait pour vous-même, là, dites qui ça vous fait, qui ça vous fait pour lui. Parce que bon Dieu déjà planté un bagage en vous. Bon Dieu déjà mis dans tout ça pour mettre dans vous, il met. Mais en plus, fois, ne pas développer la grâce de Dieu dans nous-mêmes, le don, pardon, ne pas développer le don que mon Dieu mettait dans nous-mêmes, ne pas développer, peut-être par la peur, la pourri, même j'avais Jonas, même j'avais tout. Par contre, si mes frères, ma soeur qui l'a, nous pourri pour ça, mon Dieu mettait dans nous-mêmes, nous disons pas compétents, nous j'ai tout qualité d'excuse. Nous pas compétents, nous pas faire classe assez, nous pas étudier, nous pas comme zone. Nous pas connaître, nous pas toute qualité d'excuse que nous pas qu'à mettre main dans le travail de Dieu. Mais maintenant, ça c'est une façon que vous capable aider dans le travail de Dieu. Ça c'est une attitude que nous devons gagner. Le gain aux tempêtes qui menacent, le gain au vent qui capable menacer soit l'église ou bien la vie. Parce que pas obligé de menacer l'église, il peut menacer l'église, il peut menacer la vie. Il peut autour de vous-même dans zone côté où mais de pour reconnaître le vent, de pour reconnaître la tempête, donc maintenant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter n'importe qui, nous ne pouvons pas arrêter les bras croisés. Il faut nous montrer que nous concernons. Montrer que nous concernons, il fait l'autre connaître mon Dieu. Il fait que nous croyons que mon Dieu est capable de travailler. Il est capable de changer un peu le bagage dans nous-mêmes et capoter la paix, la joie et la vie. Reconnaître la culpabilité, nous connaissons que mon Dieu dans le roi. Dans le roi du pardon, bon Dieu qui crée le roi du pardon, bon Dieu connaît que depuis que vous demandez pardon, depuis que vous demandez grâce, vous avez pardon. Et bien vrai? L'autre fois, vous nous bagaillez, vous dites excusez, pas espérer que le pardonnez ou? Ou espérer que le pardonnez. Donc, je dis à l'heure, nous sentons coupables, puis quand nous disons ce que vous dites, vous ne pouvez pas pardonner si mal, ou bien bon Dieu ne peut pas pardonner si vous demandez pardon. C'est une loi, c'est ça qui fait si vous ne demandez pardon, vous ne pouvez pas jouer. Si vous ne demandez pardon, vous restez ou pas jeune. Mais si vous demandez pardon, c'est même genre avec. Excusez-moi. Donc, demandez pardon, demandez mon Dieu grâce. Cherchez faveur, mon Dieu. Et pour vous jouer pardon dans mes bon Dieu. Même si vous faites frère la soeur là, pendant que vous êtes fou bagaille qui. Ou coupable, vous faites bagaille envers frère, envers soeur, envers mari. Ça va coûter rien. La salle, vous êtes checké. Moi, je ne vais pas payer pour ça, si vous demandez mon pardon. Je vais coûter des millions, je vais coûter des dollars, je vais coûter un pile, mais seulement coûter l'amour. Je coûter pour gagner seulement respect pour Dieu, ou gagner l'amour dans le cœur, ou obéir à ce que Dieu demande, et puis qu'on y a, ou demander pardon. C'est ça, nous sommes nous voyons que là, il y a fini de joindre que. Pardon, Jonas est coupable. Dans verset 12 là, Jonas dit, nous mettons prendre, nous mettons jeter dans la mer. Ça c'était une grosse décision que Jonas te prend. Il dit, nous mettons prendre, jeter dans la mer. Parce que sent-il coupable, il résilie la gueule dans la mer. Il dit, nous mettons la gueule dans la mer. Mais je n'ai pas connu ce poisson qui t'attend. Mais on nous fait même gens. Dans quel que soit la mer que vous avez, sous quel que soit l'eau que vous avez, thank God. Gloire à Dieu. Bon poisson. Amen. Nous sommes capables de mauvaise route, nous sommes capables de désobéissance, nous sommes capables de difficultés, capables de n'importe quoi qui levé ou qui tout espoir perdu. Mais bon poisson. Alléluia. Bon poisson qui l'a. Nous ne pouvons pas compter à plaguer nous. Nous ne pouvons pas si à plaguer nous tête en bas. Mais de pour demander pardon, demander là tout cœur. Bon Dieu, mettre l'amour dans le cœur pour vous-même. Ne pas quitter la tête en bas pour casser le cou. Mais vous êtes capable de descendre dans la mer, sain et sauf.
Et qui te dit, on a tombé droit direct dans le bouche-poisson. Bon Dieu, pas qu'on fait erreur. Bon Dieu, pas qu'on fait erreur. La gonne dans le bouche-poisson. Ça qui fait tomber dans le bouche-poisson, c'est pour qu'on arrive à bon port. Alléluia. Depuis bon poisson, c'est que la vie va vomir au bord de l'eau. Mater, un nous, dégagez-nous. Si il y a des gens qui sont dans le bateau ensemble avec nous, I am. So, à nous reconnaître que nous faisons erreur. À nous demander pardon. Demander bon Dieu pardon. Demander frère ou soeur pardon. Et puis pour nous reprendre en route là. Parce que si nous étions en bas de le bâtiment, bateau a continué à tremper en dedans de l'eau. Même tout le monde qui peut mourir pour tête. Sous compte, je ne veux pas ça. Je ne veux que personne t'a aimé pour le monde qu'on a pour tête. Donc maintenant, Dieu se lève les mains, on a dit qu'on est coupable. Nous reconnaissons que nous sommes coupables. Moi-même, je reconnais que je fais quelque chose de toi, jour, que coupable. Donc, on ne pas propose carelessness. On nous mettez nous dans le travail. On nous dit, bon Dieu, nous reconnaissons que nous sommes coupables. On nous dit, bon Dieu, nous reconnaître qu'il y a 2-3 mois, il y a des bagages qui ont été faits. Il y a des bagages qui ont été faits la caille. Il y a des bagages du travail qui ont été faits dans l'église. Il y a des activités qui ont été menées. Mais nous ne pas faire parce que nous sommes careless. Pendant ce temps, jour à couille, il y a un pile de travail qui ont été fait. Les bagages n'ont pas fait. Rien que parce que nous sommes careless. Nous disons qu'il y a des menées. La mer a calmé. Si et seulement si nous sommes d'accord pour nous laver dans la mer. Et on nous l'a dit pour nous, on nous déclarer coupable. Et nous connaissons pour dire coupable et on pardon qui t'a attendu. Pardon déjà là. Et pour ça, Jésus est mort. Pour nous capables de la vie. Et pas un petit bout de vie, mais c'est une vie éternelle. On nous allait côté pour Dieu demander pour nous aller. On nous fait ça pour Dieu demander pour nous faire. Comme ça, nous va joindre la vie et la vie éternelle. Côté lui voyez nous en, il y a bénédiction là-dedans tout. Il y a grâce qui là-dedans. Et l'heure Jonas est arrivé, côté bon Dieu te voyez là. Et il y a un pile d'hommes qui te repenti, qui te rejoint Christ. Donc moi-même avec vous, un pile fois, nous avons un pile d'hommes qui nous salue. Moi-même avec vous, parce que nous avons dit, nous pas prêter un côté de deux fois, nous pas déclarer, nous pas prêter nous. Mais qui t'aime tout, rien parce que vous n'avez pas choisi pour aller, rien parce que vous n'avez pas fait dévouement pour aller, c'est déjà une désobéissance. Parce que dans 2-3 jours, vous n'avez pas aller, il y a un pile d'hommes qui t'a fait un temps. Donc, frère, ma soeur, on nous dégage pour nous obéir à la voix de Dieu. On nous pas dormi dans la tempête, on nous mette main dans le travail là. Et on nous demande, mon Dieu, grâce pour le capable de mener nous. Qui t'aime dit, ou destinez-vous dans l'obéissance. On nous obéit pour nous arriver dans la destinée que bon Dieu bénisse. Amen.